Bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre aventure sur Dead Space. Oh yeah! J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super, j'ai une pêche, une patate, une prune. Eh, celle-là j'avais jamais fait, s'il vous plaît. Applaudissements. Merci. Alors, la dernière fois, on avait réparé notre tram. J'avais gueulé comme une gonzesse, mais ça vous avez l'habitude. Et on devait faire sauter ça. Comme ça, on devait mettre de la TNT, faire boum. Voilà, tout simplement. Et donc, bah, c'est ce qu'on va faire. Vous sentez le mec très motivé à y aller, hein. C'est violent, hein. C'est violent, je sais. Wow. Alors, toi. Ok, toi t'es mort. Ouais, ça, je connais. Ah moins que c'est ça, non c'est pas ça. Alors. Ouais. Donc vous êtes mort. Vous êtes mort. Et non, dégage toi. Non mais dégage. Et vous êtes mort. Alors je voudrais savoir comment on les projette. Non, bon bah je sais pas. Oh putain, elle m'a fait peur cette conne de porc. Alors. Oh, de l'énergie de plasma, je prends. Alors, comment on... C'est avec A, je crois. Non. X. Non. Ah, voilà. Ok, bon, je me suis foiré. Voilà, on l'a eu. On l'a eu, on parlera pas de l'échec, hein. Oh, j'aime pas ça. Ça pue, mais genre violent. Genre je vais gueuler encore. Oh putain. Anomalie dangereuse détectée. Oh putain. Activation quarantaine. Elle va sortir de... Oh putain, elle est là. Aïe. Wow. Salut. Oh putain. Hop 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 hop. Alors. J'en entends encore. Je sais pas où elles sont. Ah, elles doivent être en bas. Non. Je pense qu'elle devait être en bas. Ouais, ça va, j'ai bien géré, franchement, soyez fiers de moi, j'ai bien géré. Oh putain, elle est là. Aïe! Mais t'es mort toi! Ok. Hop hop hop! Il est derrière! Oh putain! Oh je vais mourir! Oh putain! C'est bon? Antenne levée. Wouh! Oh putain. Ça, moi je dis ça mérite un petit kit de soins. Mais genre, pitié, franchement. Pouh! Allez, un autre parce que on a bien géré. Oh putain. Oh bordel. Ah, on doit aller où?
On doit aller où? Ouais, non. Je te demande d'ici. D'accord, c'est là-dedans qu'on doit aller. Vous le sentez comme ça pue la merde? Et j'ai pas chié dans mon froc, hein. Putain, c'était nul. Je suis désolé. Franchement, une blague aussi merdique. On va sauvegarder. Oui, je vais abuser des sauvegardes dans ce jeu parce que. Parce que la sauvegarde, ça me rassure, vous voyez. Je me dis, voilà. Oh, comme ça, sauvegarde, je suis en sécurité. Enfin, un peu plus en sécurité. Un petit peu en sécurité. Pas en sécurité du tout. Oh. Oh. Wow. Ah, on doit y aller. Très bien. Oh. Oh putain. Ah merde. C'est là. Ok. Wouh. C'est ce qui s'appelle se débarrasser d'un ennemi. Enfin, c'est ça. Non, c'est ce qui s'appelle avoir un sacré coup de pied. Ok, c'était nul. Être un bon joueur de foot? Non. Ok. Wow. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, mais genre. Mais genre proche. Ah, il est là. Sors tes tentacules. Aïe. Ça va être joli, tentacule, tu sais. Wow. Oh putain, la salope! Putain, mais ce jeu, il aura ma peau. Mais je suis terrorisé, les amis. Hein. Mais genre, c'est violent. Oh putain, un point de force. Ok. Donc ici, ça doit être, voilà, les termites. Donc maintenant, faut qu'on parte. Non, faut qu'on... Avec cet explosif, on devrait pouvoir faire sauter la barricade. Il nous faut un défibrillateur. J'espère tenir ma position. Il y a des bruits inquiétants par ici. Putain. Ouais, non, mais il y a des bruits inquiétants de partout, mec. Oh putain. Non, mais cette porte. Bah bien sûr, vas-y, troll-moi en plus. Oh, putain. Bonjour. Ça va, vous êtes calmés? Oh là là là. Ils sont collants, ces mecs, hein. Ok. On va courir. On est à combien? 10 minutes? Oh là là. Non mais vous voulez me tuer en vrai. Pourquoi j'ai accepté de faire ce jeu, quoi? Wow. Oh putain, bien sûr, on peut s'y faire. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu veux pas tirer, mec? Oh putain. Oh putain. Foiré. Tu m'as fait peur, espèce de connard. Tiens, je te coupe la tête. Ce qui s'appelle perdre la tête.
Ok, je vais arrêter avec mes blagues de merde. Hein. Oh putain. Oh putain. C'était quoi ça? Oh une... Oh putain, génial. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors, cutter plasma, on va augmenter... la capacité. Voilà, ouais. Ouais, nous on augmente, on est comme ça. On augmente. D'accord. Alors, la télékinésie. Excusez-moi, j'ai. Non, c'est moi, c'est si. Donc, je disais la télékinésie. Oh! Est-ce que j'ai pris? Oui. Alors. Nanana, rapport psychiatrique. Caris s'est endormi avec un sédatif puissant. Il ne dort plus sans aide médicale. La plupart des gens s'écroulent après plus de 48 heures sans dormir, même shooté au café, mais pas Harris. Sa version des événements de la colonie est troublante et témoigne de la même paranoïa que les autres colons atteints. Sa culpabilité ne fait aucun doute. Deux officiers de sécurité l'ont vu prendre le docteur Sciarello en otage et assassiné l'infirmière Evans. De plus, il ne nie pas les faits. Cependant, il insiste sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un crime alors qu'il n'en est... et qu'il n'en éprouve aucun remords. Bien qu'il s'agisse d'un comportement sociopathe typique, Harris ne souffre d'aucun autre symptôme. Il est aimable, souriant et ne refuse pas la discussion si on ne le questionne pas au sujet. Si on le questionne au sujet du meurtre, il se braque et fait preuve d'un comportement schizophrène. Il est également sujet à des hallucinations comme celles des autres patients. Harry prétend que ses menaces envers le docteur étaient dues au visage qu'il voyait dans ses cauchemars et qu'il continuera à tuer pour ne faire plus qu'un avec qui je ne sais rien, comme au sujet de ses visages. Un cas intriguant. Et ben, mon petit... Harris, oui. Mon petit Harris, tu as des petits problèmes dans ta tête. Il faut te faire soigner. Vas-y, n'hésite pas, c'est gratuit. C'est la sécu qui va payer. Oh putain. Salut ma poule. Ah, t'as perdu ta queue. Hein. C'est dommage hein. Ça doit être dur. Oh putain, y'en a un autre genre là, voilà. Aïe. Wow. Tu te calmes wesh. Non mais attends mais oh. Mais arrête. Wow. T'as perdu la tête, mec. Celle-là, elle était pas mal. Allez, applaudissez, s'il vous plaît. Dites-moi que je suis drôle, un petit peu. Genre, un petit chouïa, quoi. Perdu la tête, c'était pas mal. Ok, donc ça, c'est avec la télékinésie. Ok. Donc, je pense qu'on doit monter. C'est exactement ça, nous devons monter. Et bah nous montons. Très bien. Ah, oh putain, il y en a un autre. Il est où? Ah bah. Salut. C'est tout? Oh, et bah très bien. Tu vois que tu peux être gentil quand tu veux. Alors on va attendre qu'il n'y ait plus d'autres monstres. Hein. Ok, voilà. Vous voyez? Hein. Qu'est-ce que je vous avais dit? Tu m'as rien looté? Bon, t'es un petit méchant, mec. Ok. Donc, toi, tu viens là. Merde. Non, si, c'est bon. Très bien. Et... Bon. Voilà. On va faire une petite sauvegarde et on est à 15 minutes. C'est très bien. C'est très bien. Ah pardon. Excusez-moi. Voilà.
Oh. Ouais, mais évite de me... Je t'ai maligne, toi, mais... Si tu me coupes en plein milieu du truc, t'étonnes pas si je crève, hein. Enfin, je veux dire... Oh, putain, on n'a pas le temps. Cours, 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 Isaac. Ah bah si, en fait, on avait le temps. Vous le savez, l'Ishimura gère la gravité indépendamment en plusieurs points. Vos bottes de gravité s'activeront dans toutes les zones sans gravité. Ok. D'accord. Et bah... Hop. J'adore les jeux qui me retournent la tête. Faudrait que je mette un jingle un jour. Parce que franchement, j'ai du lourd, hein. Ah, mais avouez qu'elles sont pas mal. Enfin, il y en a certaines qui sont pas mal. Oula. Avouez, il y en a certaines qui sont pas mal. Pas toutes, mais il y en a certaines. Sortie zone sans gravité. Oh putain, génial. Bien, vous avez trouvé. Utilisez ça avec la thermite pour détruire la barricade. Très bien, alors tu vas attendre, Coco. On dirait qu'il s'approche. Je les entends dans les conduits. Faites gaffe, Isaac. Très zone sans gravité. Alors, voilà. Je sais pas où ils sont. Eh ben ils sont là. Hey. Oh. Wow, vous faites mal les mecs. Salut. Hey. C'est tout? Ok. Bon, ils m'ont encore mis à mal, hein. Je pense que je suis un petit peu nul, hein, mais... voilà. Je suis pas sûr. Alors, ici, on peut pas aller, voilà. C'est trop loin, donc on va faire... Piouta! Et ensuite... Piou! Ah, pardon. Piouta! Voilà. Oui, quand je saute d'un mur à l'autre, moi, je fais piouta. Là, ça sent le monstre. Ah non. Sortie zone sans gravité. Merci. Sortie zone sans air. Bon, par contre, là, ça pue le monstre. Hein. Voilà. Voilà, j'avais dit, de toute façon, ça pue le monstre. Oh putain, bah oui. Allez, casse-toi. Sortie zone sans air. Tu me fais plus peur. Eh ouais. On va juste vérifier. C'est bon. Bon, je pense qu'il y en a un qui va sortir. Je vais arrêter parce qu'en fait, après, il y a plus de surprise pour vous. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai bon, donc... Est-ce qu'on peut pas... Non, on peut pas changer... Ouais. Oh putain, en plus j'étais en train je le regardais et j'étais en train de me dire mais il y a quelque chose derrière. Motherfucker. Bonjour. C'est tout? Non, j'en ai entendu deux. Non, non, il n'y en a pas. Ok. Ah oui, toi, c'est Clovis. Oh, putain!
Oh merde! Dégage! Ah putain, mais dégagez! Bordel! Hop! J'ai entendu quelque chose. Bah tant pis. Attendez. Je regarde à mes pieds. Non, y'a rien. Ok, je suis pourtant sûr d'avoir entendu un truc se lancer. Phew! Eh bah. C'est que ça fait du bien de se retrouver ici, hein. Alors. On a 15 000. On a 15 000. Et on va chez le grand kit de soins. Par contre j'ai des mini kits de soins qu'on va voilà, déplacer. Et on va s'en donner un. Voilà, parce qu'on est famous, nous on va s'en donner un. Hop. Ok. Hop. Wow. Ok. Ça, c'est de la bombe. Moi, je dis, ça, c'est de la bombe. Mais, on va s'arrêter là pour cet épisode, et oui, parce que mon cœur est en train de me lâcher, donc on va éviter de le faire craquer avant la fin de ce let's play, hein. Surtout qu'on en est qu'au début, hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine sur ce... je veux dire... À la prochaine. Sur ce, portez-vous bien et bye bye tout le monde. Et ciao ciao.